Bonjour à tout le monde. Nous sommes ici pour visiter le sanatorium de Lay-Saint-Christophe, dit hanté. Derrière moi, le sanatorium. Nous allons passer une nuit complète, alors restez avec nous. Nous allons commencer avec un peu d'histoire. C'est en 1899, à la suite d'un voyage en Allemagne, que les professeurs Paul Spielmann et son confrère Paul Haushalter ont décidé de doter la région nancéenne d'une institution médicalisée spécifique pour accueillir les soignés, les patients atteints de la tuberculose. Donc, comme vous pouvez le constater, derrière moi, le sanatorium. Le voyage n'était pas un voyage d'agrément. Paul Spielmann et son confrère allaient assister au premier congrès international contre la tuberculose à Berlin, qui s'est tenu du 24 au 27 mai 1899, sous le protectorat de l'impératrice. Les thèmes de l'étude furent la prophylaxie de la tuberculose, mais aussi et surtout le traitement de la tuberculose au sein de la population nancéenne. Les deux amis mirent à profit leur séjour germanique pour visiter plusieurs sanatoriums populaires en Allemagne, afin de parfaire leur connaissance du sujet et rapporter matière suffisante en Lorraine pour réaliser un sanatorium de conception allemande. Le sanatorium qui souhaitait serait destiné en premier lieu à recevoir les patients tuberculeux originaires du bassin nancéen, aidant l'incapacité financière de se soigner. Leur démarche s'inscrivait dans un cadre social et humanitaire. Ils avaient compris très tôt que pour vaincre la tuberculose, la lutte s'inscrivait dans deux dimensions. On ne trouvait la solution à la maladie que dans une prise en charge complète. Donc maintenant, on va rentrer dans le bâtiment. Donc on a commencé à placer le camp à l'avance car il pleut. Bah non, c'est les égouts sur un pot. Ah ouais, t'inquiète, j'ai mangé. Chaufferie ? Ouais, c'est la chaufferie, ça. Ah, ça, c'est l'ancienne chaufferie, ça. Ah, il y a une. C'est marqué à moi, la chaufferie. Ah, de toute façon, ça se voit, faut que j'aille des trucs. Ouais. Putain, là, j'ai pris 15 tonnes en bas. On va pas ramener des gens là-dedans, des fois. Ah bah je suis sûr que les gens, il y en a qui ont dû être cramés là-dedans, qui ont dû être cramés. Bah de toute façon, ils avaient un funérailleur, il me semble, si je ne me trompe pas. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Donc forcément, ils ont été obligés de rien, quoi. Mais la maladie de Toc, ils ont peut-être pas trop eu le choix de se débarrasser du corps vite fait bien après, ouais. Pour éviter bah, que la maladie ne se passe plus, quoi. Thank you.
Non, c'est juste parce que vous vous éloignez, c'est eux, ils étaient restés là. C'est en face qu'on n'a pas été.
Bah, on va monter alors. Voilà. Donc, la caméra de chasse placée. Bah, on va faire le ici, non? Toi. Donc là, on a la partie du rez-de-chaussée. Donc ici, c'était beaucoup les chambres. Il y avait des chambres. L'aile droite, il y avait tout ce qui était les médecins, les pharmaciens, les choses comme ça. L'aile gauche, il y avait une salle de billard. Il est parti où, H? On va aller en face. Et bien ça, c'est le H, ça. Il a dû retourner en bas voir la moto, peut-être. Attends, on va retourner au camp, on va l'attendre. Je vais couper la caméra au camp. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ah, ça va, j'ai rien dit. Tu vois, on a entendu une porte. C'est le A qui est resté derrière pour faire peur, moi je l'ai cliqué. Donc c'est quand même bizarre, il y avait du vent toute la journée.
Donc c'est bizarre. C'est très bizarre. À la fin de la journée, on a trouvé ? C'était la cantine ici. Bah, la cantine, je la porte parce que c'est marqué mort vieux con. Bah, tu vois, c'est marqué mort vieux là. Non, mais je pense que toi, la cantine ici. Oui, je pense que c'est marqué mort vieux. La cantine en bas, la cantine en bas, je pense plus à la cantine ici. Les cantines, c'est la cantine. Tu sais, la cantine. C'est la scène, mais qu'est-ce que je vous sers? Tu vois, c'est la restauration ici. Voilà, c'est toute la cuisine. Peut-être la cuisine. Là, je crois qu'on est dans les bâtiments administratifs, enfin, des médecins, tout ça. Il y a moyen, ouais. Ouais. Il y a la salle de cantine. Ouais, il y a moyen, c'est ça. Principal, c'est où? Là, on est dans les quoi, là? Pourquoi on a besoin d'être refusé? Ouais, mais on va aller un petit peu là, quand même. Ouais. Là, on est déjà passé par là. Mais un d'où, nous? Alors là, mec. On vient de là. Vous êtes les escaliers, là? Non, on vient de là-bas. On vient de là. T'es sûr qu'on vient de là? Ça me dit rien, les chiottes, là. Non, on n'est pas venu ici. Bon, on vient de là. Ça veut dire nique-lui sa mère. Du coup,
Barre la merde. Non, non, mais il y a un accès accessible. On va y aller. Je sais, mais on... C'était pour la cure en plein air. Tuberculose. Maladie pulmonaire. Dans les murs.
sont dans les lumières. Ouais, je suis dans le quoi, ça. C'est qui a oui, il est où le H et... Ils sont restés en bas dans la fumée, ils sont tarés. Ce que j'ai dit, les numéros, ce serait bien de les faire en numéro privé. Ouais. Même pas, au carré, non, non, même dans la voiture, c'est un peu. C'est bien, comme la sensation. C'est pas des hallucinations, parce que c'est parce que le bâtiment il est hanté. Non, non. Elles sont au-dessus, les caméras. Les bruits encore, là. Comment ça, les caméras? Il y a des caméras au-dessus pour filmer si on voit des fantômes. On a pour les alarmes, ça, l'alarme assemblée. Ah non, c'est trop vieux, ça. Non, ça, c'est les sonneries comme à l'école. Ah là, mais c'est vachement bien, quoi. Les sonneries pour rentrer dans la chambre. Une fois que vous avez besoin de quelque chose, vous appelez à proposer. Je vais faire une caméra ici. C'est un peu de bruit, quand même. T'entends? Je te jure qu'il y aurait des caméras ici. J'entends tout aussi, moi. Moi aussi, j'entends les alarmes. C'est un truc connecté, ça. Écoute. Viens. C'est le carreau, c'est ça. Oui, c'est ça, là. Vraiment, ça monte encore ici. Ouais, putain. C'est ça.
Lumière. Il y a des Arabes qui sont ici. Il y a même les anciens interrupteurs encore. Comme vous voulez. C'est juste ça. On est où là? Il y a la cour là. C'est pour nous, on n'a pas fait le feu ici. Non, on a fait le feu. Putain, c'est humide. Wow. Ah, c'est humide d'abord. Maintenant, ça va. Oh, oui. Ça va tomber ici. Oui, bientôt, ce sera fini. Tu m'étonnes, 85. Ils sont cons, 2085. Ouais. Ouais.
YouTube, Arna, je sais pas quoi. Il y a les freins de toute façon, mais bon. Vous êtes sûr que l'avait refermé? Oui, il l'avait refermé. Celle-là, en repassant, en bas? Oui, il l'avait repoussé, j'ai vu être sûr qu'il l'a repoussé. D'accord, ok. C'est la nouvelle boucherie qui a ouvert à la place du sarin tatouage. Ah, il y a un vin chaud, c'est cool ça, il y a un vin chaud mal. Merde, on a pas pris le vin chaud. Là, on serait un peu en avance. Ouais, ça aurait pu faire. Ouais, ça aurait pu faire. Et ma parole, on se fait Noël ici. Ah, Yous, on se fait Noël ici, on sort le sapin avec vous. Ça serait une expérience. Oh putain, c'est un chèque. Ça, en fait, parce que je ne suis pas de. C'est la vérité, il y a un peu de temps.
Ah, bah, c'est un petit avec Julien Thor. Oh, au moins 10 ans, on se connaît. Thanks. Non, je connais Lucie, il connaissait ici un peu. Bien, je ne connaissais pas du tout. Ils ont réussi à trouver quand même. Bah, pas sûr. Elle a trouvé ça. Tout l'observatoire de Thanks. C'est quand même des rituels, des trucs. Ici, on est là tous les deux, trois, on fait des trucs. Genre, c'était pour ça aussi qu'il y avait des là-bas. Ouais, avec une séquence avec, et il y a même du sang sur les murs. Ouais, avec des bougies. Et ouais, on a pu faire des trucs à la con. Avec une croix, je sais pas quoi. Il y a un rituel satanisme. Ouais. Tu sais, c'est à la chapelle. Oui, c'est pas honnête. Hein. Mais attends, je suis désolé, je suis mal. C'est tabou quoi? Tranquille? Là, du coup, on verrait que c'était plus de mouvement, non? Ouais. Hein? Non, c'est normal. C'est normal, parce qu'il y a quand même la lumière qui s'est détectée. Ah, mais il n'y a plus de lumière. On n'a plus de lumière. Toutes les lumières sont ici. En plus, tout à l'heure, tous les détecteurs sont tombés en panne là, parce que. Ouais, à mon avis, ils n'ont pas été rechargés à mort. Bah, c'est clair, il y a moyen. Ouais, il aurait fallu les chercher en essayer au moins deux jours. Oui, ça, on les a eus. Ouais, bah. Non, mais voilà. Vous voyez, vous voulez tout. Bah, on va. Hein? On se met où pour jouer au carreau? Bah, je sais pas, on passe dehors, direct. Ouais, ouais, on se met dehors. Sur la quille, t'as vu? Deux, trois quilles. On va se mettre sous la pluie, tranquille. Bah, moi je vais enlever mes chaussures déjà pour me mettre là-dessus. On rapproche tout ou on fait quoi? On va pas tourner le quartier pour tout. Non, Monsieur Chaussette. Il y a le cocon là qui est par terre là. Il y a le cocon par terre. Ah oui, il y a un cocon.
Il y a un film qui s'appelait comme ça, fin des années 80, Cocoon. Alors là. Si, si, avec des bestioles toutes bizarres. Demain matin, on va voir ce mec avec des antennes et tout sur la tête. Il va se transformer pendant la nuit, c'est une chrysalide. Il va se transformer en papillon. Oh merde. Eh, t'en veux pas sans nous prévenir, hein. Ouais, si, c'est pas vrai, ça va prendre le coup. Alors, les filles cocues qui se trouvent dans le coup. Youyou, montre ton petit visage. J'ai trop froid. Alors du coup, il va juste les pinces. Je sais pas, il a un problème avec les pieds. Il a déjà fait une molécule des pieds, il a tout trouvé une sorte de pied. J'ai envie de péter. Hein? J'ai envie de péter. Bah écoute, t'as qu'à chier aussi. Ah bah je l'ai dit, hein, j'ai envie de péter. Ah, tu fais, oh, allez, lui, quand il a chier. J'avoue, hein. Ah non, non, c'est vrai. Lui, il a le droit de l'arriver dans ma tente et on s'en fout. Hein. Ça veut dire quoi? Moi, j'appelle ça du favoritisme. J'ai posé le cake aussi. Oh. T'as chier carrément dans ton foie, regarde, c'est dégueulasse. Bon, moi, ça tient chaud, c'est pareil. On va aller sur le. Thank you.